Je fais le son, je me casse la tête sur des détails. Alors que je vais le jeter par la fenêtre, je le sais déjà. La page blanche, y'a plus grand chose dans mon Vaucer. Je voulais t'offrir des belles fleurs, mais tu me fais perdre mes pétales. La routine, la seule, elle me fait perdre les pédales. À tel point que je me demande si c'est pour la passion que je fais ça. Je me sens seul comme le jour où j'ai quitté ma ville. Si c'était facile, je l'écrirais pas, c'est systématique. J'ai pas fini un seul son, ça fait bientôt 2 mois. Le stress et cette info me noie, dans ma tête y'a bien trop de voix. J'ai fait des erreurs que je vais devoir payer plein pot, je crois. Je taffe un projet, j'ai déjà réécrit l'intro bien trop de fois. Dans la tête, j'ai un peu plus d'espoir que d'anxiété. Mais je le sens, du jour au lendemain, ça peut empiéter. Quand ça va mal, on se tire dessus. Au lieu de s'entraider, je rêve de m'en aller. Et je dois le faire vite, mais sans me presser. J'ai pas trouvé l'équilibre, j'ai coulé 10 litres. Plein de doutes à cause de mes rêves, dis-moi où est le feeling. J'ai coupé les ponts pour faire que du son. Des fois, je regrette mon choix, des fois, je me dis que c'était le bon. Mais tant pis, si c'est pour mes rêves, je suis prêt à toucher le fond. Tous les soirs, y'a rien à faire, ok. Mes doutes et mes ambitions se font la guerre, ok. Je cours après le temps, les rêves, j'ai v'là les points de côté. Logiciel triste, ma vie n'est pas bien codée. Tous les soirs, y'a rien à faire, ok. Mes doutes et mes ambitions se font la guerre, ok. Je cours après le temps, les rêves, j'ai v'là les points de côté. Logiciel triste, ma vie n'est pas bien codée. Que faire quand les rêves de gosse t'apportent des problèmes d'adulte? J'ai pas fait ce que j'aurais dû, mais j'ai fait ce que j'aurais pas dû. Chaque matin, la même routine se répète, je me plains pas. Ça irait pas mieux si je te disais que je trouvais ça dur. J'ai toutes mes peurs dans un sac à dos. Qu'est-ce qui fait que je peux réussir? Pourquoi ce serait moi, pas d'autres? Qu'est-ce que je serais dans 10 ans s'ils sont à pas marcher? Peut-être que j'aurais déjà lâché, je crains ça comme pas grand chose. Pour l'éviter, je cravacherai d'arrache-pied, je peux pas abandonner par lâcheté. J'ai pas faim ce soir, la boule au ventre me suffira. La motivation pourrait partir de la plus petite rage. J'ai vécu la traîtrise, je me console en me disant que ça fera plus de trucs à écrire. Mais là, j'ai la plume qui craque. La nuit devant le PC comme un mort vivant. 10 ans ça passe comme 2 heures, pourtant 2 heures ça passe comme 10 ans. Comment je pourrais rester droit toute ma vie sur un sol glissant? Et comme j'y pense beaucoup trop, du lundi au dimanche, forcément ça va pas. Au bout de la canne y'a pas d'appât, faut que je fasse le chemin pas à pas. Comme on dit, ça casse soit ça passe. Le destin je le baisse sans aucun scrupule, et peu importe si j'ai grave la poisse.